Bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter à trois, parce qu'on ne voulait pas le faire tout seul, notre stratégie d'automatisation, d'industrialisation au niveau de la Maïf pour tout ce qui est mise à jour, installation et autres. Donc, je me présente rapidement, Johan Martin, donc ancien expert base de données à la Maïf, qui a récemment changé de fonction. Et je suis à la Maïf depuis 6 ans et j'ai porté Postgres à la Maïf au moment où je suis arrivé en 2017. Et là, c'est l'aboutissement un peu de ce qu'on a fait depuis 6 ans. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Ludovic Augereau. Je suis prestataire pour la Maïf de la société CapData Consulting. Voilà, je fais partie de CapData Consulting depuis 2011. Et d'abord à Paris, puis à Nantes depuis 2019. Bonjour, donc moi je suis Clément Payet, un ancien admin 6 passé sur la base de données depuis 2016 à peu près. Je suis à la Maïf depuis très récemment, l'an dernier, mais je les connaissais déjà de prestations précédentes. Il y a quatre grands principes, enfin quatre grands chapitres, donc un petit focus sur pourquoi on a voulu industrialiser la Maïf. Ensuite, l'architecture, comment on fait ça avec Ansible, et puis des focus sur quelques projets Ansible qu'on a mis en place, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, voilà, on a fait simple. Pourquoi on a voulu industrialiser ? En fait, il y a beaucoup d'environnements à la Maïf, donc le but c'était d'avoir des installations identiques, quel que soit l'environnement. Sur certaines applications, on a jusqu'à 30-40 environnements différents à la Maïf, donc c'est assez lourd à installer, donc ça fait beaucoup de bases. Donc le but c'était de centraliser ça, d'avoir une seule et même installation partout. La deuxième raison qui m'avait motivé à passer sur la partie industrialisation, c'est ne rien oublier. Quand on fait des installations manuelles, il y a toujours, on a oublié la sauvegarde, on a oublié la supervision, on a oublié la log. Enfin, donc le but c'est on lance un script et on sait qu'à la fin, tout est arrivé de la même façon. C'était aussi pour tracer les actions. Donc ça nous permet d'avoir chaque action qui est lancée, il y a une trace log où c'est stocké en base de données, et donc ça permet de savoir exactement ce qui s'est passé. Enfin, on a des équipes qui sont qui sont pas expertes de base de données, donc ça permet de simplifier via des clics boutons les opérations de maintenance sur les bases de données pour faire des refresh ou ce genre de choses. Et enfin, du coup, vu qu'on passe par des outils qu'on va expliquer plus tard, ça permet de planifier dans le temps des opérations sans qu'il y ait des personnes derrière. Tout ça dans le but de proposer du database de service en mode self-service pour les utilisateurs dans la finalité du projet. C'est à toi. Alors, au départ, le déploiement était par script. Rapidement, moi j'étais pas présent à ce moment-là, mais j'imagine que c'était compliqué à maintenir, à utiliser. La Maïf a préconisé l'usage d'Ansible pour l'industrialisation en général. Ça a séduit l'équipe DataStore de la Maïf pour faire la même chose pour les bases de données PostgreSQL. Ça se traduit par un projet sur GitHub qui permet du coup de développer les playbooks Ansible en équipe, en mode DevOps si on veut. Ça permet de versionner et de sauvegarder les évolutions sur Git, du coup. La Maïf a son site GitHub interne. Ansible, qu'est-ce que c'est en matière de procédure ? Ce sont des playbooks, donc des scripts, on appelle ça playbook sur Ansible, qui sont divisés en rôles. Les rôles sont des fonctions. Ça permet pour une fonction qui serait littéralement une fonction, par exemple, typiquement, je veux ajouter un élément de supervision à une instance PostgreSQL. C'est une fonction. On va créer un rôle qui permet de faire ça. Voilà. Donc via Ansible, on livre et on utilise des procédures d'un socle technique fourni par un prestataire d'Alibo. Ça, c'est vraiment le socle. Les procédures qui sont livrées par d'Alibo sont installées sur les machines par Ansible. Et ces procédures permettent déjà d'assurer une forme de permettent de garantir une installation identique partout, suivant les mêmes standards. Alors, pour centraliser un peu toutes nos installations, a été décidé de créer une base de données référentielle. Bon, on fait de la base de données, donc c'est plutôt pas mal pour nous. Ont été ajoutés dedans tout ce qui est notion de base de données, donc tous les serveurs sur lesquels se trouvent des bases,
le nom des bases, les ports Postgres, s'il y en a plusieurs sur une machine, quel est le type de supervision, ça évolue au fil du temps, le type de sauvegarde, c'est pareil, il a évolué au fil du temps et des sorties technologiques sur les différents outils. Donc la base a un peu évolué pour ajouter au fur et à mesure aussi toutes ces informations complémentaires. Donc on stocke également des métriques, on fait des synchronisations avec un autre outil de CMDB, donc qui est la gestion centralisée de tous les items, en fait, de toutes les installations, de tous les logiciels. Voilà, c'est l'inventaire officiel de la Maïf. Donc on synchronise ça pour avoir des données de référence. Et on stocke également des stats qui nous permettent tout simplement de suivre un peu l'évolution de nos installs à la Maïf. Alors, j'ai quelques petits exemples. Ouais. Donc par exemple, on utilise Grafana pour faire des représentations de ce qu'on a. Donc là, c'est un tableau tout simple, donc c'est vraiment la liste de nos bases de données. Donc on centralise la version, le nom de l'instance, le nom de la base. Bon, il y a pas mal de champs qui sont floutés, on ne voulait pas faire apparaître nos noms de base. Le système informatique auquel ça fait référence, le type d'environnement, la sauvegarde, etc. On a aussi la version du socle d'Alibo qui est versionnée, qui est différente de celle de Postgres. Les ports des instances, etc. Si on a une présence de POA, si on a des VIP, et si on est en haute dispo avec Patroni, on a les notions de master réplica qui sont remontées automatiquement. On fait aussi de l'agrégation de données pour avoir une vue sur le nombre total d'instances. Donc, j'ai sorti ça hier dans le train. Donc, voilà. 463 instances, 1127 bases, pour 9 terras de données, 12 000 sessions. Donc, on fait une vue instantanée des sessions une fois par semaine. Donc, bon, ça, c'est pas représentatif de l'évolution en journée, mais ça donne un ordre de grandeur. Et pour un volume total sauvegardé donc de 7 Tera en hors prod, quasiment 18 Tera en prod, et on a aussi une vue là des versions de nos bases de données. On a ces données dans le temps, vu qu'on fait des vues toutes les semaines, donc ça nous permet de suivre depuis. Donc là, j'ai des données depuis 2021, je pense, fin 2021. L'évolution du nombre d'instances, du nombre de bases, l'évolution de la taille et le nombre total de sessions. Donc on voit qu'on est sur des graphiques un peu linéaires. Donc ça continue de croître pour nous. Comment on exécute les playbooks Ansible? On pourrait faire des appels de commandes en ligne, mais on perdrait en qualité, évidemment, par rapport à l'objectif initial, qui est quand même de simplifier l'industrialisation et de la rendre accessible à un grand nombre de personnes. Alors, qui peut justement dérouler des playbooks? Ce sont nous, l'équipe DataStore, et puis surtout notre centre de service, base de données, qui, au quotidien, va appeler des playbooks Ansible. Donc pour ce faire et pour simplifier, pour rendre la chose plus agréable, on a AWX. Alors Tower est un orchestrateur de playbooks Ansible payant. AWX est sa version communautaire sponsorisée par Red Hat. Et donc il nous permet justement de produire des formulaires comme ici pour formaliser justement des paramètres entrants pour appeler un playbook. On voit ce premier exemple, on a une liste de serveurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, ça permet d'ajouter une machine qui est la cible du playbook et qui va s'ajouter à un inventaire dynamique des machines qui seront la cible de l'exécution. Et puis des paramètres classiques comme la version, la taille d'un volume pour les données, la taille d'un volume pour les journaux, ça c'est le formulaire pour installer une instance. Là on a un formulaire orienté... je ne sais plus ce que c'est celui-ci. Ah, c'est la création d'une base de données de quelqu'un utilisateur, son mot de passe, l'environnement, le système d'information Maïf, métier, qui est associé à la base de données, l'adresse virtuelle, est-ce qu'on est en haute disponibilité, oui ou non. Donc ça permet aussi de gérer tout ce qui est sécurité, d'enregistrer les projets Git. Dans AWX, on va enregistrer les projets qui contiennent nos playbooks. On a tout un tas de processus, installer une instance, créer une base, copier une base, gérer les utilisateurs, etc. Et donc, voilà. Donc ça, c'était la première étape.
Et puis après, on a voulu aller un peu plus loin. Donc à la Maïf, on a un outil d'orchestration fourni par VMware qui s'appelle Vero VRA et qui permet de fournir des tuiles à des utilisateurs. Donc là, c'est un outil qu'on appelle chez nous WhatsApp. Et donc on a commencé à créer des tuiles accessibles à tous, pas qu'au DBA. Donc je vais vous montrer une vidéo mieux qu'un long discours. Alors, vu qu'il y a eu un problème ce matin, un plan B. Voilà. Alors, là, je vais vous montrer l'action de créer une base pour PG. Donc, en fait, on choisit en haut un filtre parce qu'il y a beaucoup de tuiles. Donc là, on va dire qu'on va créer une base. Donc, on clique sur le bouton demander. Ça interroge notre CMDB derrière pour proposer différentes listes. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive. Voilà. Donc, ça permet de lire un projet, un contexte, une criticité de base. Un nom de projet, un chef de projet. Et là, c'est la partie base de données. Donc, on a les types de VM qu'on va créer, les informations qu'on a trouvées dans le formulaire tout à l'heure. On crée un nom de base. Donc, là, je l'appelle démo PG. Ça va calculer automatiquement, en fait, un nom de base formulé en fonction de la criticité, de l'environnement, etc., etc. Ça va créer un user et un mot de passe par défaut. Et, ça va donner un coût indicatif de la création d'instance. Et après, on clique sur envoyer, ça travaille, ça vérifie que tout est OK au niveau de ASAP. Et après, on va attendre un tout petit peu, voilà, ça arrive, c'est pas très rapide. Et après, du coup, voilà, on a une barre de progression qui arrive et qui permet en fait de voir l'état d'avancement de l'installation. Donc, ce playbook-là, ça fait création de VM, installation de playbook, donc installation d'instance, création de base, création de sauvegarde. Mise en place de la supervision, etc. Ça, on ira un peu plus loin. Donc voilà, donc là, en fait, on arrive à la fin. Voilà. Donc en fait, là, ça met à peu près une heure. Hein, on va créer la VM et rendre le service, qu'on soit en mode standalone ou en mode achat. Si je reviens là, voilà. Donc du coup, hop, s'il veut bien aller plus loin, parce que c'est là que ça déconne. Voilà, donc une fois que c'est terminé, l'utilisateur reçoit un mail comme ça, qui en fait redonne toutes les informations d'installation et de connexion. Donc on ne sait pas le nom du serveur, c'est toujours un alias, et ça permet après de se reconnecter directement. Voilà. Donc on va passer un peu plus sur le détail de ce qu'on fait sous Ansible. Donc on a des VM qui sont standardisées. Donc à la MIF, on déploie du Red Hat, donc 7 à l'origine, maintenant sur du 8. On a un paramétrage OS qui est standardisé pour Postgre. Tout ce qui est CPU, mémoire, stockage, c'est lié à ce qui est demandé via le portail. Donc on a trois machines type, small, medium ou large. Donc on a des volumes groupes système qui sont aussi prédéterminés. Et un volume de data où on va stocker tout ce qui est appli, données. Et on va aussi faire monter automatiquement des partitions, donc des partitions techniques pour des stockages de logs, mais aussi les partitions qui nous intéressent pour Postgre. Donc on sépare nos partitions de data et nos partitions de wall, donc sous deux répertoires différents. Voilà. Et donc après, dans la fourniture de services, on propose deux services au catalogue, ce qu'on appelle chez nous à la Maïf le C1 ou le C2. Donc, quel que soit le niveau de service, il y a toujours le même type de sauvegarde la même stratégie de sauvegarde qui est envoyée sur tous les environnements, qu'on soit en disponibilité ou pas. Donc, pour nous, pour l'instant, c'est du barman, avec du streaming en temps réel, avec deux appliances barman. Et puis après, on a une machine qu'on appelle Critique C2, donc en fait, qui n'est pas de la haute disponibilité, donc qui autorise des coupures de service. Donc on est sur la standalone en VM avec donc la réplication en asynchrone sur Barman. Et après on a une criticité qu'on appelle une, donc c'est deux machines qui sont une dans chaque salle, deux VM dans chaque data center Maïf, répliquées en maître réplica via Patroni. Et du coup on a, grâce à ça, on a une bascule automatique en cas de panne sur différents paramètres qu'on a pu régler. Donc je vais vous présenter vite fait comment on installe ces deux. Donc on a notre infrastructure VM installée par ASAP sur l'hyperviseur VMware. Et après, donc, on rajoute, ce qu'on expliquait,
un alias DNS qui est automatiquement calculé, et puis on rajoute des systèmes externes, donc la partie Postgres Exporter, donc c'est notre outil de supervision, le Wall Streaming pour la sauvegarde. Donc Postgres Exporter, il est basé, ça nous permet d'avoir le monitoring pour le pubitrage pour tout ce qui est Prometheus Grafana. Après, donc Wall Streaming pour la partie Barman sauvegarde. Et après, on rajoute un outil qu'on utilise beaucoup, nous, côté DBA, qui est PGWatch 2, qui nous permet d'avoir plus de finesse que la partie Prometheus Grafana, où on est que sur la partie ce qui est critique. Est-ce que la base est up ou pas? Est-ce qu'on a des file systems qui sont pleins? Est-ce qu'on a un problème de connexion? On est très basique parce que c'est ce qui gère l'alerting. Le reste, c'est plus pour du monitoring, troubleshooting. Voilà. Et là, je vous laisse pour la partie C1. Le service C1, criticité 1. Donc, on n'utilise pas trop ni. Pour la disponibilité du service et des données, là, Sébastien, dans sa présentation, parlait tout à l'heure de RPO et RTO. Patroni rend ces deux services-là, enfin, en tout cas, permet d'avoir des RPO et RTO élevés. Sur le service, on est en cluster avec un leader et un réplica. Et on a un système qui repose sur un ETCD, donc c'est un gestionnaire de configuration décentralisé, un DCS, qui permet de résoudre certaines informations critiques typiquement. Quel est le leader dans mon cluster? C'est le TCD qui répond à cette question. Donc, il dit à tout moment laquelle des deux instances est leader. En quelque sorte, elle résout une forme de quorum hein, sur notre cluster. Donc, le TCD est central. On a appris hier qu'il y avait un incident sur la troisième salle de la Maïf, parce que donc, le TCD est sur trois nœuds et réparti dans trois salles. Et c'est résilient. Pour le coup, il n'y a pas eu de soucis sur les clusters Patroni qui sont restés connectés avec le leader qui n'a pas changé. Tout pendant qu'il reste au moins deux nœuds, en tout cas, le service est rendu hein, pour ce qui est de TCD. Nos clusters Patroni sont sur deux nœuds, toujours. On n'a pas de solution avec trois serveurs. On a un réplica, un leader et un réplica. Donc c'est la réplication physique en wall streaming, la flèche bleue qu'on voit. Ce que Patroni ne gère pas, c'est la VIP. C'est une ressource qu'il ne gère pas. Donc, il faut confier la gestion d'une adresse virtuelle unique, un point d'entrée unique pour se connecter au service, à une solution externe. La solution ici, CF5. C'était Netscaler auparavant, CF5 désormais. Et CF5 qui va envoyer une requête à une interface API REST de Patroni sur les deux machines pour savoir qui est le master. Et en fonction de la réponse qui est donnée, l'adresse qui sera retournée à l'utilisateur qui interroge la VIP sera l'adresse du leader, en fait. Et voilà, donc ça repose sur un alias unique, hein, qui est celui de la VIP. Hein. Et quand on se connecte via la VIP, simplement, on est redirigé sur la bonne instance, qui est l'instance leader. L'avantage de Patroni, hein, entre autres choses, moi, ce qui me plaît beaucoup dans Patroni, c'est l'intégration élevée de Postgres. Dans le sens où vraiment le PostgreSQL est très intégré. Beaucoup de choses sont gérées automatiquement, telles que la reconstruction d'un réplica en cas de besoin, par exemple, automatiquement avec PGBase Backup. C'est Patroni qui fait ça. Et voilà, on a des procédures techniques de Dalibo pour gérer aussi Patroni qui rendent pas mal de choses transparentes pour le coup. Il y aurait sans doute un petit peu plus d'actions manuelles qu'il faut à envisager si on n'avait pas ces procédures-là. Et donc Ansible va livrer Patroni en C1 quand le service est demandé. Il va faire toutes les actions nécessaires sur les deux machines pour être en cluster. Donc de la même manière, on a les services Prometheus Grafana pour la supervision, Barman, même niveau de service Barman pour la sauvegarde, qu'on soit en C1 ou C2, c'est le même. Sauf que Barman interroge une VIP, l'adresse unique VIP du service Postgres, pour le sauvegarder. Et PGWatch2 de la même manière, pour superviser, pour avoir de la métrologie orientée performance. Alors, je vais parler un petit peu plus de la sauvegarde avec Barman. Donc, on centralise sur deux serveurs, car on a deux réseaux qui sont totalement étanches. Donc, on a tout ce qui est build et tout ce qui est prod. On utilise uniquement le wall streaming pour l'archivage en temps réel des walls. Donc on a une stratégie de sauvegarde qui est locale à l'appliance de backup, mais qui est en fait un montage NAS sur lequel on va garder 8 jours de données. Après ces 8 jours, il y a l'appliance net backup qui passe et qui récupère les backups. Et sur lequel on a une rétention de 2 mois. Donc la rétention, elle n'est pas gérée par Barman, pour le coup, mais par un script qui va purger notre NAS afin de garder uniquement 8 jours. Le script s'assure notamment que tout ce qui va être supprimé a bien été récupéré par l'appliance NetBackup. Donc il va faire une vérification en amont de la purge.
Donc après, on rajoute aussi toujours avec partie Ansible la partie supervision métrologie. Donc sur chaque machine, qu'elle soit C1, C2, on installe systématiquement un Postgres exporter, ce que j'expliquais tout à l'heure. Sur la partie Patroni, on rajoute du Patroni exporter pour avoir des métriques supplémentaires. Et puis après, on installe sur toutes les bases donc POA et PG POA pardon pour la partie métrologie sur chaque machine. Donc POA est installé systématiquement avec l'extension. Par contre, l'interface web est systématiquement arrêtée. Elle est démarrée qu'à la demande. On ne veut pas surcharger les machines pour rien. Et après, on installe aussi PGWatch 2. Alors PGWatch 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil fourni par Cybertech. On reviendra un petit peu dessus, mais il n'y a pas d'agent, c'est agentless. Donc il se connecte aux bases directement. Donc en fait, on gère juste via nos configurations, via nos playbook Ansible, des requêtes qui mettent à jour la base PGWatch 2 pour qu'on puisse avoir automatiquement la supervision qui se met à jour. Donc ça, c'est fait automatiquement avec Ansible. Et là, c'est ton vidéo. Donc un schéma pour illustrer PGWatch 2 de façon concrète. On a un petit DBA qui est super content, il pense qu'il va trouver les réponses à ses questions. Pas toujours, c'est pas forcément la panacée, comme toute solution. Maintenant, il y a quand même beaucoup de contenu dans PGWatch 2, c'est riche, très riche. On l'installe et on le maintient via un Docker. Alors, c'est pas parce que alors la containerisation n'est pas comment dire généralisée. C'est tout simplement pour faciliter la maintenance. Cybertech propose une image de son produit dans un Docker. Ça facilite grandement pour nous la livraison et la mise à jour, quoi. Alors surtout si on externalise les données, et c'est ce qu'on a retenu, c'était pas le cas au départ. On avait commencé avec une base InfluxDB à l'intérieur, mais alors le problème c'est que quand on maintenait PGWatch 2, pour le coup on pouvait perdre les données, parce qu'elles étaient dans le Docker. Alors les données sont à l'extérieur dans une base Postgre qui s'appelle PGWatch 2 Metrics en rouge, et qui est configurée avec TimeScaleDB pour avoir du partitionnement et de la compression à un très très fort niveau, c'est du Time Series. Hein. C'est très intéressant d'abord pour gérer des séries de données format en série de temps, et avec une compression et un partitionnement natif et automatique. Quoi. On ne le maintient jamais, le TimeScaleDB, on n'y touche pas, ça tourne tout seul. On a 300 gigas de données en métrologie qui sont gérées en flux tendu. Quoi. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'ajout de données et la suppression des anciennes partitions obsolètes quoi, de façon automatique. Et c'est un volume qui ne bouge pas grâce au partitionnement, c'est stabilisé autour de 300 et quelques gigas. Quoi. On a la base de données de config PGWatch 2 qui est à l'extérieur du Docker aussi, qui est la base de paramétrage, hein, qui contient les cibles supervisées, qui contient les métriques gérées, les ensembles de métriques. Tout ça est sur un serveur qui est notre serveur d'exploitabilité à la Maïf, avec la base référentielle qui est sur la même machine, qui est sur le schéma mais qui n'a aucun lien avec PGWatch 2. Il n'y a pas d'interfaçage, c'est juste pour montrer qu'il s'agit de notre serveur d'exploitation, simplement. L'unité de supervision, c'est la base. Donc, on supervise toute base, qu'elle soit sur une instance, qu'elle soit unique sur une instance, ou qu'elle fasse partie d'une instance mutualisée multibase, comme il y en a, ou qu'elle soit réplica dans un cluster Patroni, peu importe. L'unité de supervision, enfin de mesure, c'est la base, quoi. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Alors, on va faire un petit focus sur notre projet Ansible. Donc on a des playbooks qui sont l'unité d'exécution principale et ces playbooks font appel à des rôles pour gérer une modularité en fait de notre code. Donc on en a parlé, on utilise GitHub en entreprise, donc c'est un GitHub interne, c'est pas un GitHub public. Et donc pour nous les débats, on a un projet unique qui contient donc les playbooks qui sont utilisés en tant que template sous AWX et des rôles donc qui sont appelés par les playbooks. Donc là on a une vue arborescence de notre projet. Donc là on voit tout ce qui est playbook. Donc il y en a un certain nombre. Chacun fait son action particulière et c'est ça qu'on va pouvoir planifier via AWX. Du côté des rôles, c'est pareil, il y en a un certain nombre, et c'est pareil, chaque rôle nous permet de faire des actions comme des ajouts de base, l'ajout de l'exporteur, l'ajout de la haute dispo. Voilà, je vais pas tous les passer parce qu'il y en a une certaine liste aussi. Et le but, c'est de découper un maximum en fait notre code pour avoir des playbooks plus simples. Alors, un exemple de construction d'un playbook de façon. Comment ça se passe quand on écrit un playbook Ansible? Quelle est la structure générique qu'on retrouve le plus souvent?
On a une en-tête hein, qui est semblable à quasiment tous les playbooks, qui consiste tout d'abord à ajouter dynamiquement le serveur qui va faire l'objet de la tâche en fait, hein, à l'inventaire dynamique. Initialement, nous étions en inventaire statique dans Ansible, qui avait l'inconvénient de devoir gérer les inventaires, d'ajouter les serveurs au fur et à mesure, soi-même, dans les fichiers d'inventaire, qui faisaient partie du projet GitHub pour le coup. Là, c'est dynamique, avec cette petite section. Il y a une variable liste serveur qui contient le ou la machine visée, et on les ajoute à l'inventaire, et après on peut travailler. Et ensuite, on récupère les faits, gather facts, ça consiste à récupérer un certain nombre de faits descriptifs de la machine, le nom, l'adresse, etc. Quelques tâches préalables, peu importe lesquelles, avant d'appeler les rôles. Donc on est sur la récupération d'informations ici, hein, typiquement, des informations de version, la version de Postgres. Là, on illustre le fait d'appeler une méthode qui s'appelle PostgreSQL Query. Donc il y a toute une collection de méthodes orientées Postgres sur Ansible pour facilement faire du PostgreSQL dans des scripts YAML, dans des playbooks YAML, Ansible. Une fois que les pré-tâches, les pré-tasks sont exécutés, on peut appeler les rôles. Alors, on a pris cet exemple d'upgrade parce qu'il est découpé en de nombreux rôles. Il y en a quelques playbooks comme ça, c'est pas le cas toujours. Il y a beaucoup de playbooks où on appelle un seul rôle finalement. Qu'est-ce qu'on fait pour un upgrade? Il y a des tâches avant upgrade dans le cas d'un cluster. On va déconfigurer le cluster. C'est pour ça qu'on a une clause when ici. Ce rôle, on l'appelle que si HA égale oui. Ce HA, il vient du formulaire, hein, cette variable-là. Ensuite, on a des tâches de pré-upgrade d'instance. Puis on met à jour l'instance. Et il y a des tâches de post-upgrade de l'instance, etc. On ajoute POA, on rajoute là où dispo. Il y a des tâches sur la sauvegarde. Il faut rétablir la sauvegarde. Elle a été coupée très certainement du fait de l'upgrade. Et enfin, Patroni, parce qu'il faut rétablir le cluster. Donc l'upgrade n'est pas trivial puisque... Alors, dans cette version-là, en tout cas, il est offline. On fait appel à PG-Upgrade, l'outil PG-Upgrade, hein, qui fait partie de PostgreSQL Core pour mettre à jour. Et on fait de l'upgrade out of place, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle instance sur laquelle on va faire la mise à jour. Ça a le petit inconvénient de créer une légère indispo. Alors, si l'instance contient beaucoup de données, l'indispo sera plus importante. Mais ça a l'avantage, qui n'est pas négligeable aussi, de pouvoir faire un retour arrière aisé. Bon, voilà. Il y a des plus et des moins. Mais du coup, il y a un fait aussi, c'est que comme on crée une nouvelle instance, il faut ajouter toute l'exploitation à l'instance qu'on aura créée, qui est celle de l'upgrade. C'est pourquoi il faut rajouter les briques qui font partie de notre industrialisation. POA, etc. Barman. Donc là, on fait juste un petit focus sur un rôle. Là, ce rôle-là, c'est un rôle qui nous permet d'appeler LDAP2PG pour synchroniser nos comptes locaux Postgres avec l'Active Directory chez nous. Donc juste pour très rapidement, donc vu qu'on a un référentiel, on va lister via une requête. Alors, j'ai caché parce qu'autrement on voyait pas tous les modules. Donc en fait là, on va faire une requête qui permet de lister les machines qui sont impactées dans notre référentiel. Ça nous génère un inventaire. Et après derrière, on va créer un répertoire de travail qui va nous permettre de stocker des fichiers. On va générer des templates. Alors je sais pas si vous connaissez, mais dans Ansible, en fait, on a des fichiers qui sont pré-remplis et qui sont variabilisés et on les pousse sur le serveur avec les variables qui nous intéressent. Du coup, on variabilise le fichier de configuration LDAP2PG. On pousse un fichier LDAP-RC qui permet de se connecter au serveur LDAP. Et après, on lance une synchronisation de l'AD, donc avec LDAP2PG. En mode Docker, ça nous permet d'avoir la dernière version du LDAP2PG. Et du coup, avec le fichier qu'on a posé en local. Et en mode, on tourne comme ça en boucle sur toutes les machines qui sont impactées. Et ça nous permet de synchroniser nos comptes locaux avec LDAP2PG et de récupérer les mots-rôles et tout ça. Et une fois qu'on a terminé, on supprime le fichier de répertoire temporaire parce que dans les fichiers de configuration, il y a les mots de passe. Donc on ne veut pas qu'il reste en clair sur les serveurs. Voilà. Donc Ansible, je suis particulièrement impressionné de tout ce qu'il permet, notamment par ses collections, puis la possibilité d'ajouter des nouvelles collections. Le focus que j'ai fait là, c'est une collection qui est fournie en standard, mais qui est liée à la communauté. Donc c'est le community.postgresql qui contient une vingtaine de modules. Et notamment à l'intérieur, on peut trouver donc du PostgreSQL DB. Ça permet d'ajouter, supprimer des bases. Les noms ensuite sont parlants, hein, -ext pour ajouter, supprimer des extensions, des index, des privilèges. Donc tout ça permet de le faire très très facilement grâce à
aux variables qu'on passe au module. Il prend des paramètres à chaque fois. On a aussi du PostgreSQL Info qui nous permet de récupérer des informations sur une instance. Donc les bases qui y sont, le mode de recovery, les slots de réplication, les rôles. Donc on récupère tout ça sous forme de JSON qu'on peut exploiter après au sein des playbooks. Et un autre module qui est sympa, c'est le PostgreSQL Query, donc qui permet de jouer directement des requêtes SQL sur une base. Et ça, c'est très important pour nous parce que c'est ce qui nous permet de construire notre référentiel, de le maintenir à jour et de mettre à jour les bases qui sont référenciées à l'intérieur. Le référentiel en question, le voilà. Donc on a un modèle de données extrêmement compliqué, avec trois tables. Non, il y en a un petit peu plus, en fait, ça c'est vraiment l'essentiel. Mais en gros, on voit les bases de données qui sont liées à des serveurs avec des environnements. Les environnements, ça désigne ce qui ressort de la production, pré-production, développement, etc. Et puis bon, il y a d'autres informations. Là, on a vraiment un échantillon. Donc effectivement, comme le disait Clément, sur Ansible, le projet Ansible repose sur le référentiel. À la fois, il est une source d'information de contrôle. Quand on pourrait savoir dans quel contexte on est avant de dérouler un playbook. Et puis aussi, il s'agit de le mettre à jour, évidemment. Donc, dès lors que les tâches, souvent, vont procéder à des modifications sur les instances PostgreSQL, le référentiel sera modifié en conséquence. Il y a aussi, dans le référentiel, des fonctions stockées pour quelques aspects programmatiques. On va pouvoir exporter du... Alors, typiquement, par exemple, et ça, c'est important de dire, c'est que pour la CMDB de la Maïf, le référentiel PostgreSQL est la source de vérité des environnements PostgreSQL déployés. Donc, on va exporter un flux de données sur une solution logicielle de la Maïf qui gère la CMDB et qui sera ingérée par le logiciel en question, la solution en question. Et ça permet de mettre à jour la CMDB, donc la base de données des inventaires logiciels et matériels de la Maïf, en fonction de ce qu'il y a dans le référentiel. Alors, dès lors que la solution en question réclame du JSON, on exporte ce flux au format JSON, ce qui est relativement aisé dans PostgreSQL, mais ce flux de données vient du référentiel. Quoi. Donc là... on a presque fini de vous endormir. Après, un petit focus sur comment on gère les mots de passe, parce que vu qu'on stocke toutes nos indus dans un projet Git, faut pas que les mots de passe ils soient en clair, sinon ça sert à rien, il n'y a pas de sécurité. Donc en fait, nous on stocke nos mots de passe via Ansible Vault. Tous nos mots de passe sont cryptés par les mêmes passe-phrases qui est dans un coffre-fort chez nous. Et en fait, du coup, on passe par des passions Ansible, on encrypte les mots de passe qui sont utilisés, on les stocke de cette version-là cryptée. Et une fois que la passe-phrase est stockée dans AWX via un système de Vault, et donc quand AWX lance le playbook, il décrypte à la volée les mots de passe, ce qui fait que les mots de passe ne passent jamais en clair dans nos playbooks. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu comment on pouvait gérer ça au niveau sécurité. Alors, on gère aussi toute une partie sécurité. Avec la gestion des certificats pour l'authentification en TLS. Donc, on a une PKI interne à la Maïf qu'on va appeler pour demander des certificats. Donc, tout ça, c'est géré par Ansible. C'est notre équipe système qui nous fournit elle-même des rôles Ansible qui nous permettent de faire ça. Donc, on utilise entre services des bons procédés, on se passe les rôles. Donc ils ont un rôle qui permet de demander un certificat à la PKI. Donc on reçoit un certificat et la clé privée qui est envoyée directement sur le serveur de destination. Et via Ansible, on fait toute la conf nécessaire, donc dans le PostgreSQL.conf, tout ce qui est SSL on, la déclaration des fichiers certificats et de la clé, et de la modification du pghba.conf pour host SSL. Voilà, si vous avez des questions. Ah, mais voilà, c'est fini.
Ben, tout d'abord, merci pour la presse, encore une fois. J'avais deux questions. Donc, la première, ça touchait à AWX. Je voulais savoir, est-ce que c'est vous qui le gérez dans votre équipe DBA ou est-ce que vous avez une équipe de tooling qui s'en occupe? Et la deuxième, c'est encore du coup sur AWX. Est-ce que vous tirez profit de la feature de workflow? Il me semble qu'en fait, c'est une feature qui permet de mettre bout à bout différents playbooks pour créer en fait toute une procédure et pouvoir faire des interventions des fois humaines au milieu ou ce genre de choses pour des choses un peu plus complexes. Voilà. Alors, AWX est géré par l'équipe Automation chez nous. La même équipe qui fournit le portail ASAP, en fait. Donc, c'est une équipe spécifique. Donc, nous, on est que utilisateur d'Ansible, AWX. Donc, on a les droits d'admin sur notre référencement, enfin, notre organisation. Et on est maître là-dessus. Après, le reste, on n'a pas la main. Et sur la partie workflow, on l'a utilisé à un moment donné. Mais en général, on l'utilise pas parce qu'on a découpé notre projet en playbook qui font ces actions-là s'il y a besoin. Voilà. Peut-être que là, vu qu'il y a il y a le socle V2 de Libo qui arrive qui nous fait refondre complètement notre indus Ansible. Peut-être qu'on fera ce genre de choses à ce moment-là, je ne sais pas. Oui, sur les workflows, on a juste utilisé ça une fois suite à une mise à jour d'Ansible qui ne nous permettait pas d'exécuter des tâches de plus de 4 heures. Le pod mourait, donc on a utilisé justement les workflows pour faire un genre de boucle de 4 heures. Voilà, on avait un script très long. Qui durait plus de 13 heures, donc qui fait une restauration automatique de toutes nos bases de données de prod sur un serveur tampon. Donc voilà. Ouais. Oui. Ah, devant. Le micro marche plus. Ce soir rouge. Merci pour cette présentation. J'ai vu que vous gériez quelques versions de Postgre, hein, ça allait de la 9.2 à la 14, en passant par plein de versions, voilà. Je me demandais comment vous faites pour gérer et intégrer les nouvelles fonctionnalités de Postgre par cette industrialisation. Alors, en fait, typiquement, ça ressemblerait probablement à des extensions. En s'agissant de nouvelles fonctionnalités, enfin, on peut partir de cette idée-là. Et on a un certain nombre d'extensions qui font partie du SOC, on n'a pas parlé de ça. Typiquement, PG Stat Statements, PG Buffer Cache, d'autres extensions comme ça. Donc, elles vont être mises à jour elles-mêmes par la nouvelle version de PostgreSQL. Quand une nouvelle version est livrée, c'est via notre prestataire d'Alibo, qui aussi, du coup, met à jour son socle technique sur un dépôt privé. Et on réalise une recette. Et cette recette est celle de la nouvelle version de PostgreSQL et aussi du socle, quoi, enfin des procédures qui l'entourent. Donc on a surtout pour objectif, nous, de s'assurer que l'existant, lui, ne bouge pas. En tout cas, et qu'il fonctionne toujours aussi bien. Donc si on doit réfléchir à une nouvelle fonctionnalité, c'est dans un contexte plutôt de socle existant dans sa version actuelle, quoi. On va plutôt dire ça, quoi. Alors quand je parle de fonctionnalité, moi je parlais plutôt, par exemple, de nouvelles manières de gérer les choses. On parlait de sécurité tout à l'heure et notamment de stockage des mots de passe. En fait, on profite d'une nouvelle version. Là, certainement, ça va arriver. Là, parce que nous, on parlait tout à l'heure du MD5 et du chat. Alors, on a le problématique pour l'instant dans MD5. Il faut qu'on passe en chat. Donc, il y avoir certainement en général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par faire la nouvelle fonctionnalité arrive sur les nouvelles versions. Donc, par exemple, on va intégrer la 15. Donc, on va mettre par défaut du SHA. Et après, on va avoir une politique via Ansible lors de montée de version. Ce qu'on n'explique pas, c'est qu'on fait une montée de version majeure tous les ans sur tous les environnements. Les anciennes bases qui traînent, c'est parce qu'elles vont s'arrêter. Mais voilà, c'était aussi pour montrer un peu l'exhaustivité de notre parc. On cache rien. Et du coup, on essaie, lors de montée de version, en fait, de mettre ces nouvelles fonctionnalités-là. Ou lors d'opérations de maintenance. Des fois aussi, on peut faire comme ça. Ça dépend. Ça dépend du créneau qu'on peut avoir aussi, parce que chez nous, c'est compliqué d'arrêter l'environnement pour mettre à jour. Donc, on a des créneaux et donc on essaie d'en profiter. C'est aussi pour ça qu'on passe par Ansible, c'est qu'on peut le faire la nuit, par exemple, pour les environnements de hors prod. On va faire les montées de version de façon automatique, planifiée. Et là, on va activer les nouvelles fonctionnalités en même temps. Et du coup, vous arrivez à estimer la charge d'intégration d'une nouvelle version de Postgre avec ces nouvelles fonctionnalités? Vu qu'on a un prestataire qui commence à faire en fait, Dalibo nous fournit un socle avec un certain nombre de versions qui sont maintenues. Donc quand ils arrivent, en fait, nous, on a juste la version du socle à recéter. Et maintenant, enfin là, ça change parce que c'est une nouvelle version majeure. Mais avant, en fait, on rejouait tous nos playbooks sur des environnements de maquette. Donc ça ne prenait pas énormément de temps, une petite semaine à peu près, à valider la nouvelle version. Parce qu'on on fait confiance au prestataire qui nous fournit le service.
on a encore un certain nombre de versions anciennes, mais minoritaires quand même en volume. Parce qu'en fait, on est quand même en difficulté. C'est difficile de tout monter en version. On aimerait justement de porter tout le parc sur la version la plus récente. Et malgré Ansible, j'ai envie de dire, en fait, on n'y arrive pas. Mais ce serait un objectif véritablement, hein, en tout cas, de pouvoir. Alors, il peut y avoir des contraintes applicatives sur certaines applications qui ne peuvent pas évoluer sur une version plus récente de PostgreSQL. Ça aussi, c'est minoritaire. Donc, on a une disparité, mais on a quand même une plus grande proportion des versions plus récentes, quoi. Ouais, deux petites questions. La première, Ansible, c'est un outil de gestion de configuration, à l'origine, fait par des admin 6 pour des admin 6. Et donc, eux, ça ne les dérange pas d'avoir un Ansible user qui est sudoer, parce qu'on a besoin de ça pour installer les services, enfin, à moins que vous fassiez autrement. Comment vous avez géré ça dans votre entreprise, parce qu'en fait, on voit aussi qu'il y a des gestions de PKI, donc en fait, ça fait appel à plusieurs services, a priori, des admin 6, des gens en RSSI. Comment vous avez géré ça? Est-ce qu'ils vous ont donné un blanc-seing en disant « Ok, on vous fait confiance, vous êtes sudeur partout » et comment vous gérez ça? Alors, c'est ouais, bonne question. Alors, en fait, Ansible, lui, donc, a le droit sudo root sur toutes les machines. Donc après, nous, on utilise majoritairement en fait, le user Postgres, parce qu'on a besoin quasiment que pour certains cas du user root. Donc on était la plupart du temps en become Postgres. Et après, effectivement, il y a les admins infra à la Maïf ont beaucoup de droits sur les serveurs. Ça, c'est historique. Et pour l'instant, ça change pas. Ça peut-être changer bientôt, mais pour l'instant, ça change pas. Donc on nous fait confiance sur le fait qu'on soit root sur les machines. D'accord. Et la deuxième question, donc on a vu que vous faisiez du SSL au niveau Postgres. Est-ce que vous le faites sur d'autres briques de l'infra? Oui. En fait, c'est en cours de migration, il faut être honnête, mais en fait, ce qu'on appelle des projets chez nous qui s'appellent les incontournables. Et en fait, l'idée, c'est que toutes les applications ne s'authentifient plus par user mot de passe chez nous, mais par certificat. Donc, ça va de la. En fait, une application va avoir un certificat et ça va servir à se connecter pour le serveur Apache, pour le serveur Tomcat, pour le JDBC à la base, etc., etc. Donc, du coup, on aura un certificat unique par application, par environnement, pour se connecter à différents environnements. Donc, base de données, Kafka, les différents, tous les modules, en fait. Avec après les problématiques que ça génère de renouvellement de certificats, etc. etc. Mais tout ça, c'est normalement prévu en distribuisé. Hein. Enfin, en tout cas, on travaille dessus. Ok, merci. J'ai une petite question aussi. Du coup, vous utilisez Ansible pour le déploiement et l'industrialisation de vos instances. Est-ce que vous avez eu la problématique en fait, de la conformité des instances qui sont en production et en gros savoir s'il n'y a pas eu une déviance par rapport à ce qui a été mis en place par les playbooks Ansible et comment vous faites pour vérifier en fait cette conformité? Alors le problème c'est qu'effectivement Ansible est censé être idempotent mais sur la partie Postgres c'est pas toujours simple parce que quand on a fait une fois un IDB on peut pas le relancer deux fois, voilà. On a des playbooks de vérification en fait et qui nous permettent de voir qu'on est, on fait des checks en fait, et ça nous remonte des erreurs si jamais on a des trucs qui sont pas tout à fait conformes. Après, c'est des fois normal parce que c'est ton instance qui vit, et en fait par rapport à ce que t'as géré au début, ben t'as eu besoin de rajouter du share buffer, t'as eu besoin de faire des choses, donc tu te retrouves en désaccord avec ce que t'avais mis au début. Mais c'est souvent ça s'explique en fait. Merci pour la presse. J'ai une petite question, elle fait redite peut-être avec la question que j'avais hier sur les services managés. Est-ce que c'est une volonté de la Maïf aujourd'hui de... Je ne voulais pas préciser, mais je suppose qu'on parle de data center on-premise. Oui. Est-ce que c'est une volonté de la Maïf de ne pas utiliser le cloud public pour tout ça, qui, de ma fenêtre, aurait potentiellement réduit une grosse partie de la charge de travail qui vous a amené à cette industrie-là et qui corrigerait probablement des problèmes que vous avez de montée de version, etc. Alors, la stratégie Maïf, c'est cloud first, open source first. Voilà. Donc, c'est d'abord le cloud. Toute application, nouvelle application est challengée pour aller sur le cloud, sauf s'il y a des données sociétaires dedans. Donc, à partir du moment où la base de données, souvent, il y a des données sociétaires dedans, parce que je vais pas faire de la pub pour la boîte, mais quand on dit qu'on fait attention aux données, c'est qu'on fait attention aux données. Donc, on veut pas que ça aille sur des clouds américains. On utilise des clouds américains, mais pas pour le stockage de données. Donc du coup, on garde les données chez nous, et donc du coup, on est obligé d'avoir un cloud privé qui permet de répondre à ces informations. Là, on a aussi du OpenShift en interne,
Et du coup, on fait du microservice. Et tout ça, en fait, fait que si on veut, si les bases de données sont locales, eh ben, il faut qu'on ait un microservice à côté, parce que sinon, ça n'a pas de sens avec la latence. Donc, ben, on a bien les deux. Et on fait du service manager dès qu'on peut le faire, en fait. Merci. On peut les applaudir.